De Chahut, le ciné-club d'Antoine Dujeux, consacré au jeune cinéma francophone. Et ce soir, le haut programme Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, que nous avons le plaisir de recevoir. Vous pouvez les applaudir tous les deux. Je laisse la parole à Antoine donc, pour vous présenter le film et puis notre invité. Je vous signale que vous allez avoir le privilège de le voir dans une copie 35 mm. Bah oui, c'est un plaisir de le voir en 35 parce que surtout Yann filme tous ses films en pellicule et du coup celui-ci aussi. C'est un des derniers réalisateurs français à filmer en pellicule. On avait reçu, je pense aussi à quelqu'un comme Bertrand Mandicot qu'on avait reçu l'année dernière aussi dans le cadre du Ciné Club et qui fait une apparition dans le film. C'est un vrai rôle. Hein. Ah oui, qui a un vrai rôle. Un rôle, oui, c'est vrai. Et alors le film que vous allez voir ce soir se déroule dans le milieu, je ne vais pas trop en dire, mais du coup se déroule dans le milieu du porno gay à la fin des années 70. Et le film est aussi omnibulé par la pellicule et par la matière, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas y voir quelque chose de nostalgique du tout. Juste un peu fétichiste. Oui, mais aussi, oui, c'est ça. Mais un désir aussi très vif de renouer à travers le cinéma avec un monde perdu, quoi. Et ça provoque une émotion vraiment intense. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans le film et dans le cinéma de Yann en général. Voilà, on aura le temps d'en discuter à la suite de la séance et je vais te laisser dire quelques mots. Tiens. Bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je veux juste vous remercier d'être ici. Ça l'est bien rempli, ça fait super plaisir. Et merci à Antoine de m'avoir invité. Cette copie, elle n'a jamais été projetée en France, en fait. Donc... parce que je l'ai tiré après la première exploitation du film. Donc voilà, je suis très très content que ce film puisse être vu en pellicule. Pour moi, ça change tout. Je vous souhaite une bonne projection. Restez jusqu'à la fin du générique, même si vous avez envie de partir, si vous ne vous a pas plu, parce qu'il y a une dernière séquence. Le film se termine vraiment pendant le générique. Donc c'est important de rester jusqu'au bout, c'est ma séquence préférée en plus. Et puis on parle de tout ça après la projo. Amusez-vous bien. Bonne soirée.